Merci d'être nombreux devant Canal Congo Télévision pour vous informer. Les fortes pluies ayant frappé la capitale la nuit de samedi à dimanche ont provoqué des conséquences dévastatrices, notamment l'effondrement d'une section du mur de la clôture de la foire internationale de Kinshasa, Fikine, et la perte tragique de 8 membres d'une même famille en Ngaliema, y compris l'inondation du poste électrique de la Funa. Le point avec Gisèle Eto'o. À Kinshasa, après la pluie, c'est la désolation. Difficile de circuler aisément. Des inondations par-ci, par-là. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale, la nuit de samedi et dimanche, ont engendré des conséquences désastreuses. Tenez, au quartier des anciens combattants, dans la commune de Ngaliema, 8 membres d'une même famille ont trouvé la mort après l'écroulement d'un mur mitoyen. Du côté de la foire internationale de Kinshasa, une section du mur de clôture s'est effondrée. Sans oublier le poste électrique de Funa qui a été inondé suite à ces fortes pluies diluviennes. Pour le DG de l'OVD, Victor Rumba, sans destruction des constructions anarchiques, notamment à Kinshasa, il est difficile d'en finir avec les inondations. L'État a vendu des terres n'importe comment et une anarchie urbanistique s'est installée avec comme conséquence les inondations. Un travail de sensibilisation, un travail de vulgarisation qui doit être fait, non pas seulement par l'OVD. Je crois qu'à un certain moment, nous avons même fait des spots pour sensibiliser les gens. Donc, il y a ce travail qui doit être fait par toutes les autorités municipales, urbaines, qui doivent nous accompagner dans ces travaux. Il y a l'incivisme. Les gens qui ont construit les constructions anarchiques, qui ont construit sur les collecteurs, il faut casser ça, absolument. Nous avons des exemples. Je crois que si je demande au DPK de citer quelques exemples, je crois... Le gouverneur Gekoko nous avait aidé à casser à Kalamu, n'est-ce pas? Notez que des prévisions de pluie ont été annoncées dans 12 provinces du pays, exacerbant les risques de nouvelles catastrophes. L'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite a émis un bulletin alertant sur des précipitations potentielles à Kinshasa, ainsi que dans d'autres provinces. Et puis la jeunesse du mouvement de libération du Congo, MLC, était en marche de son thé le dimanche. Une façon pour elle de soutenir le ticket Bumba Ieli dans la course au gouvernorat de la ville de Kinshasa. Une fois de plus, Gisèle Eto'o nous en parle dans ce reportage. Tolobaki, jeunesse MLC, photo téléma debout. Nous avons la Tozali Bakoumi, et c'est une abysse de téléma. Et l'autre, nous allons faire la marche de santé pour soutenir la candidature de Daniel Bumba et Edi Iel Molangi comme gouverneur et vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Pour nous avoir un MLC, nous allons toujours la discipline. Et là, nous allons continuer à lobby et c'est nous allons faire ça. Nous allons toujours derrière les pensées, l'idéologie et la vision du président national Jean-Pierre Bemba Bombo. Nous allons soutenir Bemba à lobby. Donc on a tous ali, ban à MLC, bazara toujours la discipline. Oh mon konzalobi, et c'est nez à la carabongo. Yango toi, awa na fondation et biye limolangi. On a pour soutenir yé. On a pour la qui ça été, bazène MLC bazara toujours derrière yé. Oh vision ya mon konzi alobi, bisope tous ali simana yango. Donc on a Bemba, azali leader ya mouvement de libération du Congo. Na yango tous on côté le mapon a cadre. Il y a pour soutenir vision au hasard en opposant à l'union sacrée. Donc, Bissot, tout ça derrière lui, Torobanane Bandeli Tina Souka et Diel Molangi, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Course gouvernorat de la ville de Kinshasa. Sachez en plus bref que la cour d'appel de Kinshasa Gombe a validé la candidature de Deo Kasongo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu invite les déplacés de guerre installés dans différents sites autour de la ville de Goma à la vigilance, à ne pas céder à la manipulation de l'ennemi. L'autorité provinciale a entrepris un dialogue avec les déplacés suite à leurs revendications concernant la sécurisation des camps des déplacés. Le gouverneur militaire s'est voulu rassurant face à ses interlocuteurs. Suivez. De subir une grande pression de déplacés par rapport aux actions de terrorisme qui sont en train de se passer dans le camp. Il y a des bombes larguées par l'ennemi à partir des hauteurs des sacs qui tirent la population déplacée. Il y a aussi
ces actions de terrorisme qui sont dites par les grenades qui explosent chaque nuit, ça fait au moins 2 cas. Et cela a commencé à soulever les déplacés qui se sentent non sécurisés. C'est pour cela qu'on est venu échanger avec eux pour qu'on trouve une voie de sortie, mais surtout les apaiser et continuer à les sensibiliser pour qu'ils aient confiance aux institutions. Ils doivent avoir un peu de patience. Nous savons que les commandants suprêmes s'engagent et toutes les institutions de la République. Ils doivent rentrer chez eux, mais ils ne doivent pas nous pousser à le faire dans la précipitation parce que nous risquons de ne pas avoir des résultats escomptés. Éviter de céder à la manipulation parce que l'ennemi qui a tenté de nous ébranler n'a pas eu raison. Il cherche maintenant à soulever la population contre les institutions de la République. Donc je les ai apaisés plus à la prudence. En Ituri, le coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains, Christophe Mounianderou, dénonce la tuerie d'au moins 8 personnes par les rebelles ADF la nuit de samedi à dimanche 7 avril 2024 dans le village Otomabe, dans le groupement Banda Vilemba. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kama. 8 morts et le bilan provisoire d'une incursion ADF dans le village de Otomabe. Et la nuit de ce samedi 6 avril 2024 vers 20h, et l'ennemi est présumé ADF et a tiré à bout portant sur ses victimes. Et signalons que là qu'on a tué nos populations civiles, c'est au milieu des dépositions militaires. Et là qu'il n'y a pas même une distance de 500 mètres. Nous sommes en train de nous dire inscrûlement et l'ennemi pourrait et tuer nos compatriotes et au milieu des dépositions militaires sans aucune intervention, raison pour laquelle et nous sollicitons une enquête indépendante pour établir la culpabilité des auteurs et leurs complices. Et nous sollicitons au gouverneur militaire de l'Ituri, son Excellence Lubo Ekacha Majoni, d'instruire les parquets militaires, l'auditorat supérieur de l'Ituri, de mener une enquête et une enquête indépendante sur le massacre de ces civils enregistré la nuit de ce samedi 6 avril 2024 où ce présumé ADF venait d'ôter la vie à nos 8 compatriotes et parmi eux ayant 6 victimes sont toutes femmes et parmi ces six femmes il y a 3 sujets pygmées et aussi il y a 2 hommes. Et parmi ces hommes, il y a au moins un qu'on venait de ramener au niveau de la province voisine du Nord Kivu. Et on se demande comment expliquer et l'ADF peut opérer au milieu de dépositions militaires, faire décès sans aucune intervention, sans que les militaires soient à mesure de capturer un seul de ces assaillants. Et dans toutes les dernières attaques de l'ADF sur les populations civiles, et depuis le village de Ndimo, à la date du 29 mars 2024, jusqu'à cette dernière attaque du village de Otomabe, et aucun ADF tué. Massacres et crimes contre l'humanité commis en RDC, ces actes doivent être qualifiés de génocide. Tels sont les propos de Mompol Ziba Humain, cadre de l'ACP. Suivez-le au micro de Maxime Makabou et Jeus Bouchanga. C'est un sujet très délicat. Le génocide congolais est reconnu. Il est reconnu, malheureusement, par rapport au Rwanda, c'est pas possible de les comparer parce que les Rwanda, s'il faut bien voir, ce sont les Occidentaux qui sont derrière eux. Ce sont les Occidentaux qui sont derrière, qui ont travaillé sur ça. Il y a même des rapports pour dire que c'était le président de la France à l'époque qui a fait tuer le président rwandais. Voilà pourquoi il y a l'ampleur au niveau des Occidentaux. Mais sur le plan international, de manière générale, le Congo est en train de travailler sur ça et il y a plusieurs Congolais qui sont en train de dénoncer. Le problème maintenant, c'est que nous devons le symboliser par une loi, par une date, par un statut, pour que chaque année, au moins une fois, parce que là, on n'en compte pas. C'est chaque jour que les gens sont en train de périr à l'est du Congo. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Le président a dû renverser, d'ailleurs, la tendance par rapport
au président africain et même au président étranger de l'international ou encore de l'Asie, de l'Amérique. Nous sommes en train d'investir ça, papa. Non, il y a l'engouement, sauf qu'on n'a pas encore calé une date, une journée, parce que ça continue. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas déjà directement faire, mais en parler, on en parle déjà. Le président en parle, le Congolais en parle. Le génocide congolais est connu de tous, personne n'ignore l'existence. L'opération Panthère Noire produit déjà des résultats dans la ville-province de Kinshasa, où le commissaire adjoint de la police nationale congolaise et commandant de la Légion nationale d'intervention, le général Kabeya Chanimania Mike, et ses éléments ont mis la main sur plus d'une centaine de jeunes délinquants de plusieurs communes. Cette opération se poursuivra dans plusieurs autres villes du pays. Le détail dans cet élément. C'est depuis le 1er avril 2024 que l'opération Panthère Noire, initiée par le gouvernement central, a été lancée par le commissaire général AI de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Abavan, au cours d'une parade au commissariat général de la police nationale congolaise avec des éléments de la Légion nationale d'intervention LENI. La même journée, un lancement qui a été relayé la même journée par le commissaire adjoint de la Légion nationale d'intervention LENI, le général breveté de l'état-major Kabeya Chanimaniat Mike, qui a à son tour présidé une mini-parade de causerie morale à la Légion nationale d'intervention. Question pour lui de marteler sur les instructions et directives de sa hiérarchie. Pour lui, Panthère Noire consiste à rétablir la collaboration et la confiance entre la population et la police nationale congolaise. Tous les cas sous examen, les activités de banditisme, de banditisme urbain, des boulements, des criminels qui sèment la terreur, qui sèment la panique, qui ont semé une psychose généralisée au sein de la population, n'est-ce pas? Ces activités-là sont aujourd'hui considérées comme étant des actes terroristes. Et du coup, si ce sont des actes terroristes, c'est que les ceux qui perpètrent ces actes sont considérés comme des terroristes. Et le terrorisme en droit positif congolais est connu par quelle juridiction? Les institutions militaires. C'est pourquoi l'écoulement, dans la partie de ces opérations-ci, ceux qui seront appréhendés et dont les éléments de preuve seront suffisamment réunis pour les chercher, c'est remis à l'expression des justices militaires qui saura si les acquittés vivent, si quand ils sont condamnés pour le fait terroriste, ils seront condamnés à mort, et si sont condamnés à mort, ils vont passer aux armes. Juste après cette parade, les éléments de la Légion nationale d'intervention LENI ont mené une patrouille d'urne au cours de laquelle ils ont mis la main sur 132 jeunes présumés délinquants communément appelés Kuluna dans plusieurs communes dont Bumbu, Selembao, Ngaliema, Bandalungwa et Kitambo. Deux jours après, la même opération s'est poursuivie dans la commune de Kisanso où les généraux Kabeya Chanimania Mike et ses éléments ont mis la main sur une centaine de jeunes inciviques parmi lesquels ceux surpris dans un bar en train de célébrer leur forfait. Panthère Noire, il faut le dire, est la énième opération destinée à combattre la criminalité sur toute l'étendue de la RDC. Elle est exécutée par la Légion nationale d'intervention LENI, chapeautée par le général Kabeya Chanimania Mike. C'était lors du Conseil de ministres du 29 mars 2024 que cette opération a été optée. Jean-Fidèle Boyo de la société civile remet sur la table le débat sur la révision de la Constitution. Pour lui, la loi fondamentale doit être révisée, d'où annonce-t-il des actions pour en arriver. Suivez-le au micro de Maxime Makabou et Djeus Boutchanga. Le Congolais a changé sa Constitution parce que le problème que nous vivons aujourd'hui émane d'abord de la Constitution. Aujourd'hui, il n'y a pas une raison de ne pas changer la Constitution. Mais ce que nous demandons, nous, comme de la société civile, que nous allons organiser des activités de grande envergure pour orienter le processus du changement de la Constitution. Parce que les politiciens ont un mauvais message. Les politiciens estiment que changer la Constitution égale modifier le mandat du chef de l'État, ce qui n'est pas vrai. Nous devons changer la Constitution, mais il y aura les étapes lorsque nous allons lancer. Et la première étape, il faut susciter les débats entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités. La Constitution actuelle ne s'adapte pas à l'actualité.
l'actualité, vous savez aujourd'hui que selon notre constitution, on ne peut pas installer le gouvernement. Après l'élection du chef de l'État, avant cinq mois non plus, il faut au moins 5 mois pour installer le gouvernement. Et lorsqu'on installe le gouvernement, il y a encore d'autres éléments, et jusqu'à tel point que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, la première année d'élection du chef de l'État, le peuple ne bénéficie rien. Parce que la Constitution a fait que le gouvernant, le chef de l'État, le gouvernement ne soit pas capable de faire quelque chose au peuple. Donc il faut changer. Vous savez, la question des compétences, aujourd'hui, le président parle du Premier ministre, mais le Premier ministre a quelles compétences vis-à-vis de la Constitution par rapport à la réalité? On demande trop au Premier ministre pendant que la Constitution ne donne pas trop au Premier ministre. Il y a beaucoup de choses à changer. Nous estimons que la Constitution actuelle, c'est une Constitution expérimentale du professeur Kabamba comme chercheur. Eh bien, nous avons vu qu'il n'y a pas eu de résultats. Bien sûr, nous allons capitaliser les bonnes dispositions et améliorer. Là, il faut améliorer. En société, les habitants de l'avenue Baoumbou, au quartier Kimpe, dans la commune de Ngalema, sont dans la détresse et ne savent plus à quel sein se vouer face aux dangers qui guettent leur maison d'habitation, qui sont sur le point d'être engloutis par l'érosion qui se crée à cet endroit en cas de forte pluie, du fait que les travaux de réhabilitation amorcés sur cette avenue progressent à pas de tortue. Reportage. Nous sommes ici au quartier Kimpe dans la commune de Ngalema. Les habitants de l'avenue Baoumbou vivent avec la peur face aux têtes d'érosion qui menacent leur maison d'habitation. Comme si ce calvaire ne suffisait pas, le trou creusé par les ingénieurs de génie civil de l'entreprise de construction Mills Invest vient envenimer la situation, d'où ce cri de détresse de cette population. Véritable interpellation pour les autorités compétentes afin de soulager la misère de cette population qui vit dans la psychose. Le monde musical congolais en deuil. Lucie Kunda, membre du célèbre groupe des chanteuses chrétiennes Kunda Sisters, est décédée, j'allais dire, le dimanche 7 avril de suite d'une maladie. Son collègue, l'artiste chrétien Mbou Tanzala, parle d'elle. Il est au micro de Doudou Montévé. Moi, j'ai toujours dit, c'est vraiment l'amour. Ils ont la compassion des gens. Donc, ils ne sont pas orgueilleuses. Et puis voilà. Donc, j'étais flatté par leur comportement, leur façon de vivre. Vous ne voulez pas voir une personne en train de souffrir ou une personne minimiser une personne, non. Donc, ça, c'est leur caractéristique. Vraiment, ça va droit au cœur. Et que son âme repose en paix. C'est comme je viens de dire, ils ont vraiment chanté, ils ont
n'est-ce pas, innové, ils ont quand même évangélisé, ils ont gagné les âmes à travers leur cantique. Et en dehors de cela, c'est comme je viens de dire tout à l'heure, ce sont des gens qui ont la compassion des gens. Ce sont des gens qui, n'est-ce pas, aidaient beaucoup aussi les démunis. Ça, c'est vraiment à souligner. Bon, je pense que, en tout cas, nous devons quand même honorer la sœur Lissi Kunda qui nous a quittés. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Hein, ce n'est pas facile, ils avaient encore la vie entre leurs mains, mais Dieu a décidé autrement. Et, donc, la Bible dit en toute circonstance, nous devons louer le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons pas juger, n'est-ce pas, le bon Dieu, nous ne pouvons pas juger Dieu. Bon, lui a fait ce qu'il a fait là, et puis voilà. Mais sauf que nous devons quand même honorer la sœur à la façon qu'il faut, à son taille, parce que c'est la servante qui a commencé, n'est-ce pas, à travailler, à évangéliser depuis son enfance. Puisque moi, je suis témoin oculaire, moi j'ai commencé, n'est-ce pas, à chanter avec elle depuis. Parce que mon premier album, j'en ai sorti en 1992. Et à l'époque là, nous étions toujours avec elle. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est par ici que nous bouclons complètement ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue.